ton roi, une victoire soufferte, mais une victoire quand même quand tu sois assez très accrocheur. Oui, ça a été extrêmement difficile. Ça n'a pas tourné en notre faveur. On croyait qu'on avait le match terminé en troisième, puis on marquait à la fin, mais heureusement, on a réussi à marquer en prolongation pour partir avec les deux. Si on analyse la rencontre, vous avez dominé les 40 premières minutes. Ensuite, vous avez laissé venir. Oui, c'est ce que je disais. Au deuxième tiers, on aurait pu les tuer, mais on n'a pas réussi à marquer. Puis ils ont pris confiance. Puis au troisième tiers, on a peut-être joué un peu trop défensif. On les a, comme vous le dites, on les a trop laissés venir. Puis ils ont réussi à marquer, c'est ça. Il aurait fallu continuer de jouer de la même façon qu'on a fait au deuxième tiers, d'aller de l'avant pour marquer ce troisième goal très important. On a vu Jonathan Roy très à son affaire, hein, avec deux coéquipiers, deux nouveaux coéquipiers finalement. Oui, c'est vraiment pas évident. Là, Jérémy Gaillan qui était malade ce matin, donc il n'a pas pu... Il n'a pas pu jouer le match de ce soir, donc c'est vraiment pas évident de changer de bloc comme ça tout le temps. Mais écoute, on est professionnel, on doit s'ajuster. Puis on a quand même eu des bonnes occasions de marquer avec Rendegger. Il faut dire que je lève mon chapeau à lui parce que changer de système de jeu comme ça en 24 heures, en 12 heures même, c'est extrêmement difficile pour lui s'ajuster à notre jeu. Donc on a quand même tiré un bon match. Ah, vous avez quand même pris deux points et puis je crois que vous avez pris le deuxième aujourd'hui. Ah ouais, je ne suis même pas au courant des autres résultats, donc c'est bien. Il faut le demeurer puis viser la première place maintenant. Alors, c'est comme dans les playoffs, hein, dans deux jours, il y a un nouveau match à Bâle, cette fois-ci. Bâle, je ne sais pas le résultat, je crois qu'il gagnait contre Liège. Hein. Ah ouais, je ne sais pas, mais c'est ça, c'est jamais terminé, hein. Même si c'est son dernier, c'est jamais un match gagné d'avance. Donc, on s'en va là-bas avec la même intensité qu'on a eu ce soir pour repartir avec les trois points, parce que c'est vraiment important. On ne peut plus se permettre de perdre de match si on veut finir en tête. Là. Merci beaucoup, Jonathan. Ça fait plaisir. Alors, Sandra Planalp, on est content de vous revoir. Sur une patinoire, comment vous sentez-vous? Ouais, je me sens bien, ça fait longtemps que je n'ai pas pu jouer. Là, ça me fait vraiment plaisir de rejouer. Et puis surtout quand on gagne, ça fait encore plus de plaisir. Pour l'instant, je me sens bien. Le genou, il tient, ça c'est sûr. J'ai eu assez de temps pour le récupérer. Et puis je suis content de rejouer les prochains matchs. Est-ce que c'est difficile de revenir après une si longue absence? C'est clair, c'est pas facile. 3 mois, c'est long. Hein. Pas avoir eu de glace du tout, presque. C'est pas facile. Il faut trouver avec chaque match un peu plus le rythme, le physique aussi. Mais on est sur le bon chemin. Si on parle du match, vous avez toutes les occasions pour le tuer, prendre les 3 points, mais finalement, l'égalisation qui tombe à quelques secondes de la fin. Oui, c'est clair. Les occasions, on les a eues dans le deuxième tiers. On a eu assez. On aurait déjà pu gagner le match dans le deuxième tiers. On n'a pas fait. Au troisième tiers, on a 6 contre 5. On avait l'occasion de dégager le puck. On n'a pas fait non plus. Donc, ça nous a coûté cher. Mais finalement, avec un grand effort par notre capitaine, on a quand même pu remporter le deuxième point. Dans la prochaine échéance, c'est dans 2 jours à Bâle. Bâle, ça ne va pas être facile non plus. Il ne faut pas sous-estimer, parce que je crois que ce soir qu'on a vu, un certain temps, ils ont mené à Liège. Je ne sais pas comment ça finit, mais il faut aller à 100% comme ce soir. Merci beaucoup, Sandro. Je vous en prie.